Allez, petite VOD. Bonjour. On est sur Hôtel Rénovateur et première chose, sachez que quand on lance le jeu, le volume de base est à 3. Ce qui en fait un des meilleurs jeux au monde. Voilà, je tiens juste à le dire. C'est un jeu qui ne nous nique pas les oreilles. Bravo, merci. Merci de penser à nous. Merci. SFX volume, j'ai... Non, comme ça c'est bien. Parce que SFX était très... très fort. On va rebaisser par contre les SFX hein, encore un petit peu. Voilà. Salut Cortane. J'ai dit professeur Letton sur téléphone, oui, ils sont payants. Ils sont payants, mais effectivement, tu en as plein. Tu en as plein, tu as tous les trucs, les précédents. Professeur Letton, je l'ai. Sur Game Boy. C'était pas sur Game Boy, c'était sur DS, professeur Letton, je suis pas folle. Le premier professeur Letton était sur DS. Il me semble que c'était pas Game Boy, hein. Ou alors je l'ai eu tard. Mais oui, le professeur Letton, quel jeu. Mais là, tout de suite, on est sur Hôtel Rénovateur. Vous voyez pas les menus derrière moi, c'est trop dommage. Du coup, là, vous les voyez, c'est génial. Est-ce que je peux... gameplay, on va voir un petit peu. On va mettre en français. Afficher les surbrillances, oui, surbrillance interactive. Ah, ça se chevauche un peu ici. Ne stresse pas, c'est pas grave. Main transparente, rendre les mains du personnage transparent afin qu'il n'obstrue pas la vue. Non, moi je veux des mains. J'aime les mains. Affichage. On est sur du fenêtre sans bordure, c'est très bien. Tout ça, luminosité, ça va, c'est pas un jeu sombre, donc on n'est pas obligé de faire péter la luminosité comme dans tous les jeux sombres auxquels je joue d'habitude. French, please, tout à fait. Les commandes, du coup, je suis en... Il a détecté que j'étais en AZERTY, je check. Mais ça a l'air d'être bon. Avancer, c'est... Hop. Non, ah mince, j'ai appuyé sur molette pour descendre, mais ça a failli faire une touche. Non, ne fais pas des touches. Commande, graphisme, affichage, bon, on est bien, hein. Ouais, j'aime bien ton émoticône de raccoon, Sam. Je vais faire réchauffer mon manger. Bon app. J'ai du minuscule passage, mais demain j'ai une journée chargée. Eh ben, bonne journée, Cortane, des zoubis. Sympa de passer nous faire un petit bisou. Allez, let's go. Ah, jouabilité, c'était quoi ça? Ah bah c'est ça, tout simplement. Oui, c'est gameplay. Let's go. Alors, mode histoire, mode bac à sable. On fait le mode histoire, hein. Oh, je peux choisir. Je peux être ça. Ah, mon assistant. Oh bah, je prends le robot, bien sûr. C'est un robot pingouin doré. Avec un nœud pape. Bien sûr que je prends bébé 101. Bibi. Y'a pas de temps à perdre, poursuivons. Non mais évidemment, franchement, je n'hésite même pas, je regarde même pas les autres. Hein. Allez, musique. Musique de fou. Musique en banger, hein. En vrai, j'aime bien. Le robot tous les jours, le robot, mais bien sûr, tous les jours. On le voit pas sur la cinématique, le robot. On voit des gens qui ne sont pas moi, qui ne sont pas mon équipe. Bon, la musique est géniale. Splendid! Attendez, il y a un petit manque d'équilibrage sur mon truc. Sur le chargement. Hein. On laisse tranquillou charger. Petit manque d'équilibrage, voilà. Oh, il n'y a plus de musique! Je veux de la musique. Ah non, c'est peut-être parce qu'il y en a plus, c'est normal. It looks like we have an uninvited guest. Oh oui, on a un invité. Ouh, attendez, Sensi, évidemment. La Sensi. Alors la musique, je ne l'entends quasi plus, je crois que j'ai mis trop basse. Fait penser à quelque chose, la musique.
alors attendez, jouabilité parce que le... peut-être pas là dans commande, la Sensi. Et oui, je l'ai pas fait. Je m'attire 4. Ça me semble ok 4. Une poule ! Eh, je veux pas la, la broyer, moi. C'est pas un déchet, c'est une poule. Oh, j'ai chopé la poule ! Oh, I've got the poule ! Je pensais pas que tu arriverais. Comment ça, à prendre une poule ? Et toi, tu es un pingouin et je t'ai pris. Je la mets dans l'entrée ? Franchement, moi, je trouve qu'un hôtel avec sa poule perso... je me demande compte de ce que je viens de dire. Libère la poule ! Non mais non ! Non mais... Envole-le-toi ! Qu'est-ce que c'est que cette libération horrible là ? Libère la poule ! C'est jeté par la fenêtre pour moi ça ! Libère la poule ! Fous-la, fous-la sous les roues. Bon là elle ira de moins haut. C'est moins pire. Je peux la libérer là ? Jeter la poule dehors. Mais je vais pas la jeter dehors. Je la jette là. Je la jette là, ok ? Il veut pas. Donc je veux pas jeter la poule. Mais non, je veux pas jeter la poule. That's my chicken. That's my pool. Au moins, je l'ai mise pas sur la route. De l'autre côté, il y avait la route. Libère la poule sur le périph. Ouais, c'est ça. Salut ATP. Sympa ta shop. Ouais. Les shops ont failli être jetés. On a récupéré. C'est quand même la poule de Skyrim. Tant que c'est pas celle de Zelda. J'avais oublié ce matin, comme j'ai fait une nuit blanche, j'avais pas de... J'avais pas de la pâte à crêpes et des crêpes que j'ai mis le reste au frigo. J'avais fait, pardon, excuse-moi, j'ai dit je l'avais pas. T'as oublié ce matin, comme t'as fait une nuit blanche, que t'avais de la pâte à crêpes. t'oublies la moitié de ta vie quand tu fais une nuit blanche. Je viens de tomber dessus. Eh ben, bonne crêpe. En vrai, je me marre, mais voilà. Alors, je fais quoi, pardon? F. Je peux ouvrir des portes. Hop. Ah non, faut que j'ouvre les portes de là-bas. Oui, d'accord. Ah, la musique est bien, hein? Je trouve ça fantastique, moi. Un peu d'argent avec ce vieux tableau. Lequel? Moi, j'adore l'argent, hein. Oh oui, je peux le revendre. Mais après, on pourrait le garder aussi. Mais non, mais faut faire des sous, là. Tac, tiens, pour vendre. Hop, je vends. Let's go. Use the crowbar to dispose of the junk cluttering this place. And don't hold yourself back. Débarrasser des déchets. Oh, la théière. La théière, je peux la... Alors, maintien, tu choisis suppression. Ah d'accord, attendez, je me rends compte que j'ai plein de trucs sur mon bureau qui me gênent là. Du coup, à chaque fois que je fais un truc avec ma souris, bah je bute sur quelque chose, ça m'énerve. Un petit pied de biche. Je peux hacker le jeu avec le pied de biche. J'ai dormi entre temps. Ah oui, d'accord, j'avais zappé, ok. Oui, ça fait comme si t'avais eu deux jours en un jour, quoi. Allez, viens, on mange des crêpes. Mais grave. Elle est belle. Mais elle est vendue. Alors attends. Tac, tac, tac. Ah, ça dégage. Oh ouais! Détruire les déchets. Oh, j'adore détruire des déchets. Speedrun de destruction, destruction! Oh, je vais trop vite. Oh, je vais trop vite. Le jeu, il est pas prêt. Le jeu, il sait pas. Ah merde, le parquet, fallait peut-être pas que je le détruise. Détruire les éléments au sol. Le parquet, c'est considéré comme des éléments au sol? Parce que si... Franchement, je viens de l'éclater, hein. Tiens... Ah oui, non. J'ai éclaté un peu le mur, mais le mur, il est dégueu. Faudrait aérer aussi. Je crois... Je crois que le parquet, c'était pas à détruire.
Des os. Non mais non. Arrête, espèce de fou. Et ça, je peux pas. Nettoyer ce bazar. Bon, c'est nettoyer quoi là. Il y a littéralement rien. Remove. Ah oui, voilà. Non. Attendez. Et ça, comment je détruis ça? Attends. Quitter. Il faut que je jette ça? Faut que je fasse quoi? Ah, faut que je fasse les murs. Ah si, faut que je fasse le sol. Si, 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 faut que je fasse les murs, le sol, tout. Mais ça, je peux pas virer, j'arrive plus. Ça, il me met en surbrillance, mais je peux pas, je peux pas. Peut-être que avec mon pied de biche, en y allant très fort. Vous serez là. Tan 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 tan. Attendez, attendez. Est-ce que si je fais ça, ça marche? Prendre. Oui. Mais comment je remove? Ça, faudra peut-être que je les nettoie après. Camilla, elle casse tout. J'y peux rien, c'est mon métier. Hôtel casse tout. Tan 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 tan. Oh, j'adore. Par contre, j'aime bien tout détruire. Ça, c'est très drôle. Tan 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 tan. Je fais des j'ai des pouvoirs un peu. Oh, ça c'est mieux ça. Je pense que c'est bien efficace ça. Je suis prête pour un speedrun. Oh, les rideaux tout dégueu. Oh, alors ça, ça c'est du, ça c'est juste de la poussière qui tient sur elle-même à ce stade. Hein. Ça c'est de la poussière solidifiée. Oh, toi je t'aime pas. Toi je t'aime pas du tout, tu fais mal aux yeux. Toi aussi tu vas faire mal aux yeux, je le sais, en plus vous êtes placé trop haut, du coup vous faites mal aux yeux. Tiens toi aussi, dégage. Oustroda. Ouais, c'est peut-être plus rapide de faire ça en fait. Ouais, ça a peut-être été inventé pour une bonne raison. Je détruis la fenêtre. Oh, le radiateur il est trop moche. Je peux pas détruire la fenêtre. Scary Renovator. Tu casses, tu nettoies, tu refais à neuf. Mais est-ce qu'il faut faire la plomberie? C'était ça qui m'avait... que j'avais détesté. Je veux pas dire, mais moi je pouvais pas faire ça hein, dans machin, dans Sleeper. Hein. Je pouvais pas tout casser comme ça. Hein. Non, fallait ranger. Je pouvais pas tout péter. Ça me dégoûtait. Oh, le plafond il est moche. Vous serez là. La porte, je peux la casser? En vrai, elle est belle. Pourquoi elle est belle, la porte, alors que tout le reste, il est pas beau? Cette pièce est propre. Nickel! Pied de biche de l'extrême. Il est trop bien, le pied de biche, en vrai. Ça déchire. Ça déchire parce que c'est rapide.
peux évidemment. Non mais moi je veux pas moi, je veux pas la plomberie. J'avais proposé un fichier de sauvegarde vierge avec tous les outils débloqués d'ailleurs. Ouais, sauf que quand t'as tout d'un coup, tu t'apprends pas à t'en servir. Non, c'était chiant, les débuts d'House Flipper, ils étaient un peu chiants, désolé. Là, c'est vachement plus marrant. Par contre, il y a des gros pâtés là par terre. Je peux pas les virer. Je me demande si c'est pas moi qui en cassant tout, je fais des pâtés. Bon là, c'est bon là. Là, je pense que c'est bon. Je pète tout. Mais attends, si je fais ça comme ça. Ouais, ça marche aussi. Ouais, c'est tout dégueu, ouais. Ouais, d'accord. Faut pas que je les ramasse un par un quand même, hein. Ça va m'emmerder, ça, hein. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Non mais c'est mille fois mieux que House Flipper, désolé, hein. J'ai déjà tout nettoyé. Dans House Flipper, ça m'avait pris un épisode entier pour tout nettoyer dans une maison. Non mais c'est mille fois mieux. Tout début est chiant. Ouais bah désolé, là c'est mille fois mieux. Oh le palais, je veux le même, tu m'étonnes. L'objet pied de biche. Quand on y pense... Attends. Alors quand on y pense... Putain de sanglier dans le pare-choc du Renault Scénic. Fait quand même vachement plus de dégâts. Encore le lobby des chasseurs. J'ai pas la rêve des os. J'ai pas la rêve. Je veux dire par rapport au pèse qu'on appelle ça un pied de biche. La biche et le sanglier, c'est ça? Mais c'est tout le balai. On l'achète... ici. Parce que l'important, c'est que tu crois en toi. Et tu verras. Alors, on a des stylos. Mais attends, j'ai pas tout cassé, hein. Attends, j'ai pas tout pété, moi. Attends. Ça, je le laisse. Ça, je le laisse, c'est quand même un peu joli. Monde en couleur. Alors, on met la couleur. Alors, il faut que je fasse quoi comme thème? Là, c'est quoi les exigences du client? Tab. Oh, c'est... Non, j'aime pas ça. Non, on fait un peu ce qu'on veut. Oh là là, mur de Minecraft. Non, pas du tout, rayon de miel. Oh, ouais. Oh, ça, c'est beau, ça. Comment je fais? Rayon de miel, tab, c'est bon. Moi j'ai choisi, je peux? Ah il veut pas? Ah mais pourquoi il veut pas? Ah non c'est pour le sol! Oh, pardon, c'est pour le sol. Là je veux pour le mur. Peinture. Mur. Peinture. Ah oui, c'est tab. Pardon, je vais y arriver. Ok, mais pourquoi c'est toujours le même style en... Je sais pas comment aller à gauche ou à droite, là, au niveau de ce menu. Céramique. Autre. Peinture. Ah, je me suis encore trompée de bouton. Pourquoi on a plus de musique? Ah, merci. Oh. Je vais y arriver quand j'arrête. Prête, confond des outils. Oh, waouh! Oh, les papiers peints!
sont magnifiques. Oh, j'adore avec des poissons! Avec des bananes. Et un papier peint en banane, je pense. Je pense qu'on va mettre ça. Oh, mais j'aime trop les pimplards, ils sont trop bien! On va mettre un papier peint en banane. Ou avec... Ou les chatons. Les chatons ou les bananes? Les chatons... Mince, je me trompe encore de touche, c'est terrible. Les chatons, mais je pouvais faire d'autres couleurs. Oh, mes autres couleurs, elles font mal aux yeux. Oh, attendez. Oh non, non, pas tout bleu. Oh, j'aimerais bien réinitialiser la couleur, je peux ou pas? Parce que là, j'avoue, ils font peur un peu. Oh, rose. Oh, bien psychédélique. Ah, j'aime bien psychédélique quand même. Allez, bleu. Mais ça aussi, c'est 100 fois plus sympa que sur House Sweeper. House Sweeper, fallait faire one by one. Oh, mais c'est 1000 fois mieux. Oh! Waouh! Ça se fait tout seul sous mes yeux. Désolée, mais j'adore. Le streamer que j'avais montré qui rend Majora Mask. Ah, c'est lui, Gaspidon, trop stylé! C'est la peinture qui me saoulait. Ouais, et bah du coup... Papier peint, mais de retien de score. Ah oui, j'avoue. Ah, c'est vrai que ça fait... C'est très arty style. On va le mettre que d'un côté. Céramique en céramique. Mais non, mais je veux pas de la céramique, moi. Tapis, autre. Si on va dans autre, on a quoi? Ah, j'ai de la... On peut mettre de l'herbe. Littéralement de l'herbe. Mais tapis, c'est moquette, en fait. J'ai pas de parquet. Oh, je peux avoir un tapis en diamant. On va prendre un tapis. Hein. Un tapis comment? Oh, jaune, ça peut être bien. Jaune, ça me plaît bien. Ça peut... Faudrait faire avec une couleur qui va avec ça, là. Jaune ou bleu? Je pense jaune, c'est mieux. On va prendre jaune. Ah ouais, jusque là. Mais là, je veux virer cela. Je peux ou pas? Oh, c'est pas grave, on les recouvrira. Ok. Attendez. Ça va pas, ça. Dégage. Ah bah moi, j'aime bien. Tu peux poser encore plus rapidement. Ah, faut que j'appuie sur une touche? Bah après, c'est pas le même but. Bah exact. Moi, j'aime bien que c'est des trucs chiants, en fait, aillent vite. Et que les trucs sympas, tu puisses prendre ton temps. C'est mon principe. Effectivement, faire la plomberie pendant des heures, ça m'intéressait pas dans House Flipper. Ou poser les papiers peints un par un, ça m'intéressait pas dans House Flipper. Là, on a tout direct parce que c'est pas ça le but. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Parce que toi, t'arrêtes pas de chercher la petite bête en te disant « Mais tu vas pas aimer parce que de toute façon, t'as pas aimé House Flipper. » Pas le même jeu. Salut, Mogloubinder, comment ça va? Choisir. Ok, on va mettre un petit pain plat. Alors. Papier peint, mais quoi comme papier peint? Qu'est-ce qui irait bien avec le thème? À pas mettre du blanc. Blanc et jaune, ça va pas ensemble. C'est dégueu. C'est moche. Ça me plaît pas. Beige, non. Je regarde un peu les tons. Les tons qu'on a. Peut-être un foncé, non? Non, 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 peut-être pas trop. Attendez. Peut-être bleu. Peut-être bleu, rose, non mais rouge oui, mais rouge et jaune. Vert et jaune ça va ensemble, c'est pas mal, pas mal. Je vais mettre là, voilà, comme ça on voit ce qui va ensemble. Bleu foncé, eh hey, bleu foncé, pas mal. Il y a une vibe hein. Un bleu foncé violet, pastel liberté. Un pastel libéré est un pastel en bonne santé.
Swag. Swag de fou. Ça va, petit hémoglobine dark? Si tu râles pour rien, mais je râle pas en fait. Toi, hein, c'est ton truc ça, hein. Pas le mien, hein. Parfait, eh, excellent. On est sur un style. Eh, j'aime trop. J'aime trop. Par contre, le plafond, ça va être un problème. Ou alors, je fais en bleu aussi. On va tester. Comme ça coûte des sous à chaque fois. Oh, eh, on peut pas tester beaucoup de choses en vrai. C'est quoi? Ah, mais il y a un renfoncement chelou ici. Ah, c'est pour le rideau. Au contraire, j'arrête pas de dire que je kiffe le jeu. Pour moi, c'est le contraire du râlage. Mais chacun sa manière de voir les choses. Après tout. Bah, ça fait petit cocon. Oh, mais t'es un génie, Jox! Parce que là, je vais pas mettre du bleu, mais on va faire un rappel. J'aurais pas la place. Aïe chaud, aïe chaud, aïe chaud. On écrit là. P R I M. On l'écrit un peu en relief. Pour la prochaine, ça pour la prochaine. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est parfait. Merci, merci beaucoup. Ici, il faut qu'on mette un autre sol parce qu'ici, je veux faire la continuité. Attendez, attendez. Oh non, on a la salle de bain à verre. Autre. Non, non, on va pas mettre la pelouse encore. Non, trop tôt. Trop tôt. Donc c'est céramique ou tapis, j'ai pas de parquet, ça dégoûte. Alors ça, ça irait bien, mais ça va peut-être être un petit peu trop, un petit peu too much quelque part. Je vais choisir cette céramique à la base. Après, je peux, hein. Après, je suis cap, en vrai. Moi, je suis full cap, moi. Des carreaux. Ah, des carreaux. Des carreaux simples. Mais avec une couleur qui... Non, foncé. Ça peut être bien foncé. Ah ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Moi je trouve ça c'est bien. Alors attendez, vous m'avez dit que je peux faire plus rapidement. Ah mais j'ai un problème avec ça. Ah merde. Ça je peux supprimer ça? Attendez. Ok, pour tracer changer. Je peux pas recouvrir. Bon, on va trouver. Attendez. Je peux faire quoi? La pelouse dans la salle de bain? Oh, j'avoue! Ah, c'est pas mal, on pourrait faire une salle de bain un petit peu naturelle. Ok, ouais, on va faire ça. On va faire grave ça. Mais par contre, il y a un déchet. C'est pas grave, on peut placer en dessous. Attendez, maintien pour tracer, quitter. C'est vrai que je peux faire plus rapidement, quoi.
Peut-être, mais j'ai pas l'astuce. Ah ouais, franchement, la pelouse dans la salle de bain, j'aime trop l'idée. Oh, mais on va s'éclater. On va faire vraiment... Je pense que l'hôtel Loxotérien marquera les esprits. Bon, attendez. Oh non, je le laisse. Non, mais là, je pourrais le nettoyer. Alors, c'est avec le balai. Mais vous savez quoi? C'est ma petite touche perso. Par contre, ça, j'aime pas. Ça, faut pas déconner. Je vais laisser... Ce sera un peu le déchet, tu sais. Vous savez, comme l'euro symbolique, bah je laisse le déchet symbolique. C'est un peu de l'art. Et un peu des dollars. En fait. Voilà. Punaise de lit que tu ramènes dans tes valises. Oh, parle pas de malheur. Depuis que j'ai eu des puces, c'est moi, j'ai extrêmement peur d'en ramener un jour des conneries comme ça. Alors, on va laisser du coup du bleu ici. Ça va être fantastique. C'était où? C'était comme ça. Et est-ce que de base... Non, arrête avec ton herbe. Coquinou. Ah mince! Faut que je me rappelle lequel... Attends, c'est ce papier peint, vous pensez? Oui, c'est celui-là. Faut que je retrouve la bonne couleur. Let's go. Alors, on fait comme ça, et là, c'est la limite. Alors, je trouve un autre style à mettre à côté. Là, on met quoi comme style à côté du prime? Parce qu'il faut que ça aille... Peut-être du blanc? Est-ce que le blanc, là, ce serait pas intéressant? Un blanc vert. Fameux blanc vert. Type de blanc très connu. Un jour, j'ai ramené ma femme. Et elle s'est reproduite, en plus. La saleté, tu poses le carrelage, tu remets la saleté. Exactement, c'est ce que j'ai fait, Trafil. Pas que les punaises de lit, c'est 100 fois pire, il paraît. Ouais, ouais, ouais. Et genre, les traitements, ils sont extrêmement dangereux. Si t'as des enfants et tout, faut vraiment partir de l'appart pendant longtemps. Il faut prévenir tous les voisins qu'eux aussi ils partent. Enfin, c'est un enfer. La moquette John Peace. Mais non, mais j'en ai déjà. Là, ici, il faut voir. Là, ici, vous voyez au-dessus de ma tête. Et là, sur ce mur-là. Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà du gris foncé, du jaune, du vert, du bleu. Voilà, on a un peu nos tons. Mais il faut que ça aille avec ça. Avec P-R-I-M-E. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On va pas l'effacer au cas où. Hein. Mur. Peinture. Peinture, oui, oui. On va être sur de la peinture. Quand j'arriverai à sectionner, je vous promets. Je vais regarder cette couleur, tiens. On va regarder ces couleurs-là. J'ai fait clic gauche, clic droit. Un rose pétillant. Jaune fluo bien flashy. Ça avait des super goûts. En tout cas, ça fait plaisir. attendez. Un jaune, peut-être un kaki. Moi, je sens bien du vert, non? Du vert... Parce qu'en vrai, il y a un swag, hein. Je sais que vous dites des trucs trolls, mais en vrai, moi, cette pièce-là, j'aimerais beaucoup l'avoir, voilà, ça me plaît. Après, je peux remettre du jaune pour rappeler le jaune. Je sais pas si c'est la meilleure idée. Imagine, tu peux importer tes propres papiers peints. Oh ! Ouh, là, il y a de quoi s'amuser. Sinon, dans les tons roses, tu disais hanté. Attends, je regarde. Je te promets, je vais réussir à sélectionner normalement. Dans les tons un peu fluo. Ça c'est fluo, ça. Ah. Avec ton logo, mais oui. Non, mais venez, on fait pas ça. Venez, on essaye vraiment de faire... Puisque... Vous trollez, mais moi je fais un vrai swag. Éclate-nous la rétine. Vous voulez vraiment du flashy de fou? Ou alors un rose pâle ou un jaune pâle? Un rose pâle ou un jaune pâle? Ou une autre couleur, mais un peu pâle, ça vous va? Non, parce que là, en vrai, on est d'accord qu'on va être sur du vomito, là. On va être sur un swag un peu vomitif. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux.
Merci beaucoup, Dinosaurus. Merci. Levez-vous. Je l'ai fait un peu. Salut à toi, bonsoir tout le monde. Qui c'est qui gagne? Qui c'est qui gagne? C'est le P-R-I-M-E. Mais, oh, je sais. Là, je vais mettre un point d'interrogation. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ouais. Voilà. Rose, c'est trop beau. Ah, vous voulez du rose? Ok, ok. Ok, ok, on fait du rose. Est-ce qu'un rose un peu pâle, ça vous va ou vous voulez forcément du flashy flashos? Merci beaucoup, Gilo. Un petit dédicace à Gilo, les modos et modératrices. S'il vous plaît. Un petit shoot-out. Y'a que toi pour ne pas faire comme les autres, là, que tu es unique. J'aime mon style. Écoute... Du flashy flashos. Ok, bon, le chat a décidé du flashy flashos. Flashos, on va flashy flasher. Rose flashy flashos, du coup. Et tous unique. Exactement, je suis unique comme tout le monde, comme on dit. Rose pâle, si tu veux. Écoutez, sinon, sondage, hein. Flashy, flashy flashos. Écoute, il y a du flashy et flashy. Est-ce que, genre, cette couleur vous convient? Un rose... genre, peut-être comme ça, un rose comme ça, flashy flashos, hein. Bonsoir, Momo Twitch. Merci beaucoup, Dilo. J'espère que ça s'est bien passé, j'ai vu que t'as eu des coupures. Et du coup, j'en ai un peu parlé avec des potes, il y a des solutions, machin. Bon courage en tout cas. Celui-là, là on est sur du flashy flashos. C'est vous qui choisissez, hein. Je me déresponsabilise, hein. C'est pas moi, hein. Bon, je sais pas comment bien le réécrire, alors on va... Hein, voilà. Est-ce que je peux faire par-dessus? Ah oui, là je peux pas. Faut que j'enlève, mais je sais pas comment. Au pire, on dirait que c'est un tapis. C'est vous qui n'avez choisi, hein. Oh, je sais, ici, on doit faire un cadre foncé. Ah, mais non, mais il y a le E de... Ouais, de P-R-I-M-E, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qui est là? Et franchement, j'aime beaucoup la manière dont ça se fait. Parce que même si tu fais tout avec ton petit crayon là, bah t'as quand même l'animation de la couleur, de la peinture qui se fait. Je trouve ça stylox. Non! Au pire, je fais ça là. Voilà, comme ça. Ah, c'est pas mal. Oh, en fait, si, vous aviez raison, c'est bien. Hein. Vous aviez raison, c'est bien. Franchement, en fait, hein, j'avoue, j'ai douté. Je ne doute plus. Vous êtes extrêmement fort en décoration. Je sais pas si je fais rose ou pas. Ouais, là, faut faire rose, là, oui. Faudra qu'on trouve un plafond. Là, pour le plafond, on a plusieurs solutions. Faire un peu comme le sol, rappel, pourtant. Pourquoi il y a un creux là? C'est un nid à araignée, ça, les petits creux comme ça là. Ça me dérange pas, hein. Ça c'est le. Alors sachez que ça c'est le déchet commémoratif. Ah mais non, mince, j'ai peint. Oh, ça peut être sympa de peindre un petit peu comme ça. On reste comme ça. On fait une sorte de contour. Oh, j'aime bien l'idée du contour. C'est sympa, mais faudrait une autre couleur au milieu. Des bananes au plafond. Oh, c'est pas con. C'est si beau, c'est vrai que c'est beau. Ah, les bananes au plafond, moi j'aime bien. Je pensais sinon mettre aussi un petit truc ici. Ou ici, une petite bandelette là. Parce qu'on a aussi ce mur, hein. On peut se faire place sur ce mur. Sachant que là, il y aura de l'herbe. Je me rends compte de ce que... Eh, mais franchement, en vrai, le M de Prime. Mais aussi le M de je t'aime. Aime-toi. Mais aime ma chaîne et mets un Prime. Ok. Alors les bananes, on les met genre ici ou on les met genre au plafond? Plutôt plafond alors. Ah mais je peux pas! Mais non, je peux pas, c'est du plat. Noir mat le plafond. Oh, c'est une idée audacieuse. Attends, noir mat.
Je sais pas si je peux, hein. J'ai que céramique, autre et peinture. Si je mets autre, j'ai que des trucs verrouillés. Je peux mettre de la pelouse au plafond. Mais on a dit on garde ça pour la salle de bain. Je peux mettre du tapis au plafond. Pour le côté mat. Qui n'a rien à voir avec Okora. Pour le côté mat, on peut choisir voilà une sorte de... Ah non, je peux pas. Mince. Ah mais du coup, je peux mettre quoi au plafond? Je peux mettre ça? Ah ben non. Je peux mettre de la peinture alors. Ok, j'ai rien dit. Oui, j'ai pu mettre de la peinture, je suis stupide. Donc ça veut dire que... Plutôt... Faites en sorte que Lox ouvre cet hôtel IRL. C'est magnifique, hein. Non mais cette chambre quoi. Imagine, tu fais du gaming là-dedans. C'est trop bien. Attendez, les bananes. Attendez, on va réfléchir sur le move des bananes, parce que moi je trouve qu'il y a un souffle, il y a quelque chose. Il y a une proposition sur le move des bananes. Voilà. Bananes qui sont ici. Sachant que... Voilà, bon, elles sont magnifiques. Ah, je peux pas les mettre au plafond, ok. Bon. Elles sont comme ça, mais... Oh, les bananes jaunes, j'aime bien. J'aime bien les bananes jaunes, moi je tiens à vous dire. Ah, les bananes jaunes, elles me plaisent. Bananes vertes aussi, elles sont sympas. Les bleus, faudrait que ça fasse un bleu de là-bas, mais non. Moi, je suis plus dans les tons jaune-vert. Bananes jaunes, ouais. Celles-là, elles sont bien. Studio chez Webedia, exactement. Lesquelles? Oh, celles-là, elles sont bien. Allez, let's go de bananas. Non, là, je suis conquise parce que... J'aime bien. J'ai vraiment pas d'autres trucs. Ici, je ferais bien juste une bandelette noire qui rappelle le plafond. Donc le plafond, on peut mettre que de la peinture, ce qui est un peu logique. Mais est-ce que je peux avoir d'un coup... Ah ouais, voilà, comme ça. Attendez, ça. Et du coup, je fais comme ça et je fais comme ça. Et là, c'est mat, là. C'est pas mal, ça. Oh, waouh! Oh non, mais c'est stylé. Attendez, je fais un test. Et si on mettait des contours? Oh, j'aime bien. J'aime bien le coup des contours, non? Oh, j'aime bien. Oh merde, y'en a une là. Pas grave, on posera un tableau. Oh, les contours, ça déchire! Non mais regardez ce swag. Et au plafond alors. Attendez, au cas où je change d'avis, je fais deux lignes comme ça, on voit. Oh, c'est pas mal, hein. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est bien en fait. Une boîte de nuit des années 80. Exactement. Wow, non mais hey, le reflet de la lumière. Bon, attendez, là, faut qu'on arrange. Voilà, c'est arrangé. Oh, c'est encore mieux. Mais c'est encore mieux, putain. Mais quel génie, mais arrêtez-moi. C'est encore mieux comme ça, c'est encore plus beau. Mais je suis incroyable. Je peux plus respirer tellement je me kiffe. Et là, si on mettait aussi des contours... Non. Ça va gâcher. C'est encore mieux avec les petites couches de peinture sur la banane, vous trouvez pas? Foutez de la peinture sur votre banane, les gars! Voilà. Bientôt la même chez elle, mais grave le papier peint banane! J'aime trop. Ok, là c'est juste parfait, faut rien toucher. Ici, nous allons être dans un côté herbeux, mais avec point d'interrogation.
Peut-être en foncé, ou je le sens en rouge, j'ai pas mal en rouge, ou en banane. Peut-être un point d'interrogation en banane. Ça va gâcher. De quoi ça va gâcher? De faire les contours? Bah oui, non mais je vais pas gâcher. C'est ça trop bien. Genre vous trouvez pas... Attendez. Vous trouvez pas cette idée incroyable? Vous trouvez pas cette idée des petits coups de peinture là incroyable? Really? Vous êtes en étant honnête là parfaitement? Bon ça je sais pas comment supprimer donc on va dire c'est l'entrée. Hein. Bisous Grison! Vert et noir. Ah la mystère, ah c'est pas mal. Oh j'aime bien. Ouais t'as raison. Oh ouais non mais c'est mieux. Clairement. Alors attendez, l'herbe du coup. On va mettre de l'herbe dans la salle de bain. Oh mais incroyable. Ok. Autre. Alors, on a plusieurs choix de pelouse. On a plusieurs choix. Oh, celui-là, il est bien flashy, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien son côté aussi pastel. Celui-là, c'est un petit mélange des deux. Celui-là, il fait très nat. En étant 100% honnête, c'est un coup à se faire ban. En étant 100% honnête, mais en me complimentant. C'est important. Arrête Sam, c'est trop beau. Allez, on va prendre l'herbe qui est la plus herbeuse. Je plains Royal. On me plaint de quoi? De notre future déco. Regarde, ça coin gaming, ça c'est P-R-I-M-E. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Là je mets du gazon et regarde cette idée. Je suis une génie. Non, juste parfait. Enfin, je sais pas. Perso, moi, je me trouve à peu près parfaite, mais c'est... voilà. Je m'en fous de la déco. Oh putain, notre futur appart. À la tronche du salon. Allez. Du coup, on a de l'herbe, donc on va être sur un côté mystérieux. On va être sur des tons un petit peu sombres, mais verts, dans le côté un peu la nature, c'est un mystère, mais tout comme le PRIME. Voilà. Du coup, en partant de ce principe-là, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je sais déjà. Petite idée. Je pense mettre ici... Non. Je pense mettre ici, autre. Peut-être un peu de pelouse encore. C'est la nature. Oh ouais, en bandelette ici, là. Ou là. Oh, au milieu. Oh, c'est bien au milieu. Oh, c'est bien. Hop là. Pas la même, hein, c'est important. J'aurais peut-être dû faire sur ce mur-là, plutôt. Allez, je fais les deux. Comme ça, je choisirai lequel il me plaît. Ok, ça c'est génial. Oh oui, et puis là, j'en mets un double ici. Juste ici. C'est la nature. Ok, c'est génial. Ensuite, on a des papiers peints. Mais pff, dans une salle de bain, c'est bizarre un peu, non? Verme morve fluo. Une grosse batte de baseball derrière toi. C'est pour au cas où on veut commettre des crimes. Genre, imaginons, on veut me commettre un crime ou moi je veux commettre un crime. Hop, j'ai ma batte. En plus, elle a des clous. Voilà. Comme ça, bah c'est ma batte de crime. En fait, spécial crime. De cité de la peur à gazon maudit. Tu me la prêtes? Ah, c'est un cadeau. Ah, je suis fan de Shabba, c'est vrai. Alors, attendez, regarde les panneaux en céramique ou du tapis. Non, mais ça va faire écho. C'est vrai que ça fait un peu le foot, hein. J'ai un collègue à qui je voudrais dire deux mots. Alors, je peux pas t'aider à ce niveau-là, mais par contre, tu peux...
peut faire un thread longueur. Ça c'est pas mal. Mince, je fais clic droit à chaque fois. Non, allez. Peinture. Oh non, on peut encore faire... Non. Attendez, je cherche. La peinture, je sais pas, la céramique. Faites voir la céramique. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on a des carreaux stylés quand même. On peut faire un rappel du jaune d'à côté. Qu'elle a. Et qu'elle a. Mais je sais pas. Je le sens pas. Moi, je sens pas. Peut-être, ouais, voilà, un petit délire comme ça. Ça peut être sympa. Ou alors, on fait un contour. Parce que ça, c'est mon truc. Là, on fait un contour d'une couleur. Oh oui! Attendez. Attendez, les idées fusent dans ma tête. Attendez. Ça fuse. Imaginons. Alors pas noir. Bleu foncé peut-être. Oh, un bleu un peu... C'est un bleu un peu sale. J'aime bien moi ça, un bleu gris sale. Et genre là on fait comme ça. Et là on fait comme ça. Oh mince, mais je sais pas comment supprimer ça. Bon c'est pas grave, je supprime pas. Comme ça. Là ça fait le chemin. Ça fait un petit peu... Ça fait comme un parcours. Vers le mystère. Et c'est ça l'important. C'est mystère. Les copains à yeux. Non. Arrêtez. Mais on met quoi en bas? À part du mystère, qu'est-ce qu'on met? Non, mais si, franchement, il y a un style, mais incroyable. Ah ouais, du jaune. Ah, c'est pas... Attendez, oui, le jaune, c'est vrai. On avait dit que le jaune, ça m'allait bien. Un jaune un peu différent, genre celui-ci. Des carreaux paix. Quand j'aurai ma collab. Ici, peut-être. Je regarde un peu ce qui irait bien. Un pâle, un peu. Un jaune un peu pâle. Oh, c'est trop pâle. C'est trop ballot. Oh, je sais. Là, on met un côté. Et là, on va faire une autre couleur. Pas possible d'être aussi créative, moi j'arrive plus à me suivre moi-même. Oh non, j'ai peint sur les carreaux! On peut peindre sur les carreaux. Mais c'est trop bien ça aussi. Mais comment j'efface ma peinture? Oupsie. Attendez, là on va mettre une autre couleur là. On va mettre. Peut-être un autre vert, mais je sais pas. Un bleu. Bien bleu. Du rouge. Ou un violet. Ah, un violet. C'est pas mal, ça rappelle ça. Un violet. Hop là. Mais pas le même. Oh, merde. Ah, il est un peu foncé. Celui-là est pas mal, mais... Ouais, je suis dans les couleurs trop foncées. Je me trompe de touche, c'est terrible. J'arrête pas de faire clic droit pour sélectionner et c'est pas ça. Faut que j'en trouve un autre. Ça me va pas. Si je vais dans les couleurs vives, dans les couleurs comme ça. Ouais, si je vais dans les couleurs comme ça, qu'est-ce qu'on propose en rouge, en violet? Ouais, en violet. En rouge ou en violet? Oh, il y en a beaucoup des couleurs!
Ah mais y a pas de rouge ou de violet je crois. Ouais, on l'a déjà passé s'il y en avait eu. Ouais. Ok. Tant pis. Ici peut-être. Pas mal ça. Bah c'est le même qu'elle a hein. Ouais, je peux faire un rappel, mais j'aurais bien aimé changer. Je vais changer. Ah, c'est plus du mauve. Je vais mettre celui-là. C'est un peu plus violet. Et on met quoi au plafond? Je vais faire un contour sur la porte. Moi, j'aime trop les contours. Ah non, j'ai pas fini. Let's start with beds. Guests need something to sleep on, after all. J'ai pas fini du tout. We'll also need chairs and a nice little table, so the whole room's appealing to look at. Je n'ai pas fini du tout. Mais attends, j'ai pas fini. Alors, A, E ou espace et table. Ok. J'ai pas fini. Ça, je sais pas comment faire. Hein. On va laisser, hein. C'est pas grave. Mettre un meuble devant. Oh, ici, il faudrait que ce soit un mélange des deux couleurs. Ah, je vais pas trouver, moi. N'oubliez pas le mélange des deux couleurs. Ça fera un peu ça, quoi. Un peu. Non, bah tant pis. On met quoi au ciel? On met quoi au ciel? Là, on a mis ça. Ok. Je réfléchis. Mettre du vert hein, après. En vrai on peut hein. Je vais regarder un peu du vert comment ça fait. Attendez. Ah là, je vais mettre quelque chose là. Oh, là, je vais faire quelque chose. C'est pas comme, mais je vais faire quelque chose. Peut-être pas mal ça. Attendez. Un puits de lumière. Ou autre chose. Oh oui, le noir du mystère qui revient ici. Pas mal. Voilà. C'est de la gnognotte. J'avoue. Ok. Ok, on est bien. Attendez, j'ai tout fait là. Oui. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Maintien. Et du coup, oh, j'ai du mobilier. Alors, faut que je commence par le lit, il m'a dit. Bon, on prend un grand lit, on n'est pas un bébé là. Eh, on n'est pas des bébous, hein. Comme ça, ou plutôt comme ça, ce sera plus ça le soir, je pense.
Oh, les deux, en fait. Ok. Comment je tourne ? Il m'a dit A ou E. On peut pas mettre en biais ? Si ! Oh, mais je mets clairement en biais. En biais, mais dans quel sens ? Non, dans l'autre sens. En biais vers les chats. Moi, je pense en biais vers les chats, comme ça, ils voient ce qui est important. Ouais, parce qu'on s'en fout. Ah non, non, non. On s'en fout pas, en fait, j'ai rien dit. Attendez. Je peux pas le reprendre ? Ah mince ! Non, non, en fait, j'ai... Non, il y a un truc qui est important. Il y a un truc qui est important de l'autre côté, alors non. J'y avais pas pensé, désolé. Il y a un truc qui est important de l'autre côté. Voilà, il y a un truc qui est important. Non mais quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ta-da-ta-da-ta-da. Faut que je mette de quoi d'autre ? Armoire. L'armoire pensive face à la fenêtre. J'adore comment elle est placée de base, l'armoire. J'adore. Ah ouais, il faut un petit truc comme ça avec des petits pieds, là. Une petite armoire avec des petits pieds, moi, j'aime bien, moi. Oh, un truc un peu qui a l'air de récupération. Genre ça, on dirait un coffre de pirate. L'armoire dépressive. Elle pense à ce qu'elle pourrait avoir. Mais non, elle est coincée ici. Aidez-moi. Ah, j'aime trop l'armoire qui regarde par la fenêtre. Allez. Je pouvais changer sa couleur, peut-être. J'ai pas l'impression. Ah si, espace. Pardon, c'est espace. Ok, comme ça. Oh là, une raie... Oh ouais, regardez, elle est rayée. Elle est rayée comme un petit zèbre. C'est mignon. Mon armoire, ça va être un zèbre. Ok, le lit aussi, il faut que je le refasse, du coup. Bah ouais, désolé. Alors. Oh mais j'aurais bien fait d'abord le bois. Le bois à bois quand je bois. Ah je peux pas, je peux faire que ça? Oh non! Les fleurs c'est pas mal mais j'aimais bien les étoiles. Il y avait des étoiles. J'ai un peu flashé sur les étoiles. Ah mais non je les vois plus. Ah elles sont là, elles sont pas mal les étoiles. Oh, camouflage. Il n'y a pas jaune et vert. Ce serait pas mal. Ou jaune et bleu. Oh, j'ai froid là. Je vais brancher mon plaid. Comme ça, je prends des petits coups de jus. Elle est pas mal celle-là aussi. Elle vient de voir la poule se jeter dehors. Mais oui, l'armoire, elle cherche la poule. Vous avez trop raison. Je trouve pas les coloris qui me bottent. Oh, ça peut être pas mal. Oh, j'aime bien celui-là aussi. Celui-là est mieux. Celui-là est bien. Celui-là est bien. Il y a jaune et bleu. Allez, ça se rapproche le plus de ce que je voulais. Ouais. Ok. Alors. Ce genre de lit, ça ne dure pas longtemps quand tu veux faire du sport. Bah le sport, ça se fait dans une salle de sport.
Tu fais des squats sur ton lit aussi. N'importe quoi. Alors, faut que je mette quoi, moi? Attendez, il considère que j'ai pas mis d'armoire. Ah si, c'est bon. Alors, chaise. Qui regarde dehors aussi. La chaise. À côté du pieu pour mettre les vêtements. C'est important. La chaise à côté du pieu pour mettre toutes les fringues. Qui traînent. J'en trouvais une qui a, je sais pas, qui a un charme. Oh, celle-là, elle est bien. Oh, celle-là, elle a un charme. Oh, celle-là, elle est sexy. Réel. On a pas le choix. Comme ça, elle rappelle l'armoire, si je mets comme ça. J'ai pas pu changer le bois du lit, ça me dégoûte. Hop là. Allez, un petit canapé. A little canapé. Oh, mais je le mets où, mon canapé, moi? Ici? Oh, le canapé d'entrée! Oh ouais, tiens, le canapé... Le waiting canapé. Mais du coup, on voit pas le M bien. On risque de pas bien voir le M, alors j'ose pas. Rien à voir avec Lionel. Pourquoi tous mes meubles, ils regardent vers... vers la sortie, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, faut que je vois. Après, on peut mettre en dessous du P. Oh, j'ai 8 ans! En dessous de la lettre P. Comme ça, ça gêne pas. Oh, il est mimi, celui-là! Il est pas mal. J'aime bien celui-là, moi. Est-ce qu'il n'y a pas des chats en motif? Rappel. Pas mal ça. Hein. Où ça? Non, ça. On va prendre ça, tiens. Ok. Nickel. Oh, celui-là, j'aime bien. Soit comme ça, petit camouflage, soit comme ça, rappel de ce qu'il y a en face. Non, mais celui-là, quoi. Évidemment. En fait, c'est le lit que je trouve trop basique. Le lit, il me plaît pas. On va le changer, il me plaît pas. Attendez. On va le changer, le lit, il me plaît pas. Non, j'ai plus de feeling sur le pieu, là. Finalement, celui-ci est pas si mal. Je trouve qu'il a plus de... de charisme. Ah mais il y a aussi des gros trucs comme ça. Les motifs sont les mêmes ou pas? J'ai pas l'impression. On a toujours les points. Y a pas des rayures de zèbre? Ça pourrait faire rayures de zèbre. Ah non, mince. Et du coup, là, je fais même couleur que le pieu, que le canapé. Non, mais j'ai... Attendez, faut que je le vois. Là, je le vois pas. Bah si, on est pas mal là. On est sur des tons adéquats. Ouais, c'est adéquat. Bonsoir Emric. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une table, il nous faut une petite commode. Je taffe là-dessus, Un tapis? Je veux être un tapis. Un tapis. On a un tout petit...
tout petit machin. Oh ouais. Pour les petits pieds, quand on se met là. Oh, je sais pas en fait, on verra. Mince, j'ai fait trop clic droit. Alors attendez, attendez. Là, il faut que je mette une table, mais je sais pas où la mettre. On pourra mettre... j'ai une salle de bain à faire aussi. Hein. J'envoie du lourd. J'en suis un peu moins convaincue. Adéquat coubé. Excusez-moi. Oh là là, adéquat coubé. Il a sorti le coubé word. Oh, mais cela dit, une petite top comme ça. Oh, je sais ici pour poser les clés. Non, ce serait plus un petit truc comme ça, genre. Cabinet. Ah oui, non, pardon. Est-ce qu'il me faut... Ah voilà, il me faut une petite étagère. Soit une petite étagère, soit une chaise. Je peux mettre une table. Ouais, il faut que je mette des petites étagères, attendez. Bah non, mais remarquez, si, hein, ma petite table, elle est bien. Hein. Ma petite table pour les clés. Franchement, on va faire ça. Ici, je mettrai une déco, je sais pas laquelle encore. Je vais mettre plutôt là ou là? Là. Oh, c'est mumu, ça! Mais je vais pas mettre ça. Pas mal, ça. Et ça, c'est clairement pour mettre des clés. Voilà, j'ai mis la table pour mettre les clés. Il faut ensuite une armoire, deux armoires même. On va mettre ça dans la salle de bain, je pense, les armoires. C'est pas des armoires, c'est des commodes. Un cabinet. Hein? Regarde-moi. Alors, ah, ici, on dirait que... Eh, on dirait que la place est prévue pour, j'aime bien. D'où le contour. Oh, je suis une génie, en fait. Trop petit. Ouh, calme-toi. Ah, celui-là est pas mal. Celui-là ou celui-là. Mais je... Ah, le petit cube est pas mal, mais il est trop bas. Moi, j'aime bien la simplicité de celle-là. Et du coup, on va mettre quoi? On va mettre le noir du mystère? La couleur noire du mystère qu'on a mise déjà? Attends. Attends le jeu. Attends, je suis pas prête. Ou du vert moins mystérieux. Mince, je me trompe. Ah, attends. Voilà, comme ça, je la modifie à mon aise. Ah, mais je peux pas mettre de vert, je crois. Oh, mais il y a de l'ombre. Mais c'est à peu près bon, là. On est à peu près bien placé. Oui. La table à bordel qu'on a tous. Exactement. La chaise à bordel. La table à bordel, c'est important. Je suis trop vieux, pourquoi couper? Du coup, je continue avec fur. Moi, de toute façon, les deux me vont. Dieu qui marche plus, les clés qu'on sépare. Ce qu'elles ouvrent. Les cartes de fidélité useless. J'aime bien les boutons. Les boutons de rechange de fringues que vous avez plus depuis 10 ans. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la salle de bain en vrille? Mobilier de base. Ah mais mince. Attends, il me dit cabinet. Ah mais faut que je mette ça. Ah ouais non, c'est pas bon. Faut que je mette ça là. Apparemment. Wouah. Elle est feng shui. Elle est flashy. J'aime pas ces meubles, je les trouve nuls. Ça c'est des meubles un peu pourris où t'as tes trucs de cours ou de taf. Et c'est le genre de meubles que t'aimes pas. Parce qu'à chaque fois que tu vas vers lui, c'est pour tes papiers d'impôts ou autre. Pour tes papiers du taf ou pour tes papiers des cours. Voilà. Ça c'est typiquement le genre de meubles où tu ranges les papiers chiants. Les papiers nuls qui te plaisent pas. Je vais prendre un truc autre. Je vais prendre Ablette. C'est bien. Oh, je vais prendre Ablette, évidemment.
Ici, j'ai pas encore trouvé la solution. J'ai pas encore trouvé ce que je veux mettre. Il me plaît pas ce truc. Ticket de carte bleue. Moi, c'est étiquette de caisse. Mais oui, vous avez les mêmes trucs. Ça m'en fufu. J'aimerais prendre une chambre pour la soirée. Ah, je savais très bien que mon hôtel vous plairait. Vous avez bien raison. Ah, je l'adore. Bon, on va rester sur les tons comme ça. J'aime bien. Sur le côté noir et blanc. Il faut que j'en trouve un. Voilà, un peu plus rayé. Celui-là, il n'est pas très rayé, noir et blanc. Allez, celui-là, ça va comme ça. Hop là. Ah oui, c'est ça. Faut que j'en mette deux, des trucs comme ça. Ok. Ah, le petit cube que tous les streamers ont derrière leur bureau. C'est uniquement pour ça que j'ai choisi mon mien. Oh, si, je mettais un truc au pied du lit, tiens. N'est-ce pas sympathique? Comme ça, un truc pour poser des trucs. Ou alors je mets ça. Un peu en biais aussi ou pas en biais? Peut-être pas en biais cette fois. Ah zut! J'aime bien ça! Alors le petit cube. Oh le petit cube est bien. Oh ouais, je pose le petit cube, let's go. Ok, couleur. Comme ça, comme ça. Je vais rêver. Est-ce qu'il y a un peu des couleurs autres? Non, c'est que des couleurs bois. Oh, oh. Oh, oh. Moi je veux des couleurs autres. Tant pis, hein. J'ai pas ma couleur, je mets du rayé. Hein. Alors, il faut quoi? Il faut une table. Non, j'en ai déjà mis une. Ah oh non, il considère que je l'ai mise ailleurs. Et je mets une table. Oula. Mais elles sont très grandes. Ah ouais, c'est des vraies tables, tout ça. Attendez, attendez. Ah, je peux la mettre ici, non? En dessous du prime. Oh oui. Oh oui, la table en dessous du prime, 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 prime. Pire, celle-là, elle est déjà personnalisée. J'aime bien. Mais la ronde, elle a un truc. Ouais. Celle-là, elle a un truc. Ok, une chaise. Alors, une chaise. Oh, je sais! Faut que je mette une autre chaise, alors. Ah, mais non, mais non. Si je la mets là-bas, ça va pas le faire. Je voulais en mettre une aux toilettes pour pouvoir discuter avec la personne qui fait caca. Mais on peut pas. Peut-être à côté de la porte. Pour attendre son tour. Mais oui. Par contre, je vais pas la mettre en rayé. Je vais la mettre en jaune si je peux. Hop. Ah, mais un autre jaune. Non. Là. Là, je le sens bien. Là. Pas trop mal. Voilà. Ouais, c'est bon. Il manque plus qu'un fauteuil. Oh, fauteuil. Oh là là, c'est beau, j'ai mis un canapé. Oh, waouh! Comment il est classe? Je
Je peux pas vous mettre, mais je l'aime bien celui-là. Mais il est classe. Il est classe, mais bon, je sais pas où que je vais le mettre, moi. Ah, on a des fauteuils comme ça aussi. On a ça, on a ça. Oh, oh, il est mimi, celui-là. Oh, je sais. Comme ça. Oh, ouais, il y a un style, j'aime bien. Ok, j'ai quoi d'autre à mettre? Des petites étagères. Let's go. Alors, on va pas gâcher le papier peint. Mais ici, c'est un endroit à stockage nul. Ici, je le sens bien. Oh, il y a un swag là. Ah, mais c'est chiant, je suis obligée d'avoir des couleurs pas dingues. Alors que si je mets celui-là, ah, c'est pareil. Ok. Mais grave lovely, quoi. Je suis une génie. Ok. Je fais quoi d'autre? Ah, la salle de bain. Let's go, let's go, let's go. Je suis à fond. Oh, je suis à fond, là. Attendez. Déjà, faut choisir un sanitaire. Moi, c'est les toilettes qui comptent. Attendez, attendez. Hop, ok. Ok, la forme déjà. Oh, mais celles-là, elles sont trop stylox. Elles sont toutes en losange. Ah oui, sur le point d'interrogation. C'est trop bien. Let's go. Let's go faire caca sur le point d'interrogation. Ok. Le chat est en mode vue sensorielle. Le chat, il s'imprègne de toute cette ambiance. J'espère que ça vous plaît. Hein. Ah, c'est pour vous. Hein. N'hésitez pas à P-R-I-M-E. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ok, ça, c'est génial. C'est juste génial. Pas d'autres mots. Oh, une baignoire. On va pas mettre de douche, on met une baignoire en objet. Au côté herbeux. Oh, j'aime trop, on va la mettre là, comme ça, exactement comme ça. Ah, l'échappe, ah, les chats. Ah ouais, alors, la couleur, ça a été tout un test. Quoi. Il a fallu que ce soit la couleur qui engrange le plus d'émotions. Je pense que l'émotion est là. Ça c'est bien, on va mettre avec la petite pelouse. Moi j'aime bien, moi. Regardez un côté nature. Comme ça, c'est parfait. Franchement c'est parfait. En plus c'est un peu, c'est entouré, non mais c'est trop bien. Ça fait très prédateur les couleurs. Mais non, ce sont des chatons. Ce sont des chatons. Qu'est-ce qu'on a du coup? On a ça ici. Bah ici j'ai mis ça, mais en fait on va mettre le lavabo ici. Non, attends. Ça j'avais mis là parce que je pensais qu'il fallait que ce soit là. Mais ça je le dirai en fait. J'ai dit je t'enlève. Alors lavaballe. On lave des balles. Je vois pas en fait le lavabo. Ah là. Oh mais c'est trop prévu pour, j'adore. Alors ça c'est bien, ça déjà c'est génial. Et après je peux pas.
Après, on peut laisser juste une petite céramique qui pendouille. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc. Petite céramique, là. Ah, mince, mais vous, en fait, vous vous voyez pas bien, là. Désolé. Allez, je vous mets là. Les daltoniens dans la baraque. Bah, les daltoniens, ils trouveraient que... Voilà, ils trouveraient ça encore tout aussi charmant. En fait. J'hésite. Bon, avec le truc en bois, il est pas mal parce qu'il a l'air d'être parfaitement prévu pour l'endroit. Mais ça va dépendre de la couleur que je peux mettre. Moi, je mette la même couleur que ça, hein. Pas trop le choix. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ok. Ensuite, il me faut des petits trucs à la con. Ah non, mince! Et en vrai, s'il y a quelqu'un de vraiment très bas, il sera bien content d'avoir ça. Je vais le laisser. On va le mettre d'une autre couleur quand même. Ah mais non, mais je vais mettre là. Ah bah non, c'est bon. Hop là. Un petit lave-pied. Ouais, c'est ça. En vrai. Lavabo pour chien. Oui. Ok, dans la salle de bain, ça va vite sentir le... Le linge mal séché. En fait, c'est pas de la moquette, c'est de l'herbe, littéralement. Je suis allée dans ça. Et je suis allée dans autre. Et c'est herbe. J'ai mis de la pelouse. Donc ça va sentir l'humidité, mais ça va aussi constamment... voilà, ça va aussi un petit peu... Ça va être vivant. Ça va être une salle de bain vivante qui vivra en même temps que ses occupants. C'est ça aussi, l'art. Et la déco. C'est une déco vivante. Qui évoluera avec le temps. Et puis voilà. Ok. Du coup, les petits... Ça, c'est les toilettes hein, qu'on voit à côté. Qu'est-ce qu'on met-il comme meuble? Moi, il y en a plein qui me vont pas, que je trouve pas terrible. Alors, ça, c'est quoi, ça? Ah. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais ça va gêner. Non, non, ça, j'aime pas. Attendez, on va regarder. Il n'y a pas beaucoup de place non plus. Hein. Ok. Pourquoi ça, je peux pas... Ah oui, non. C'est censuré, c'est verrouillé. On les a pas encore débloqués. Oh, les trucs très hauts, moi, j'aime pas. Je veux des tout petits machins, moi. Tout petit, bah ça, c'est le plus petit. Bon, on peut mettre à côté, mais ça va pas aller avec le... On peut mettre là. Ah là là, j'avais pas aimé ces meubles-là. Ils vont m'énerver, ces meubles-là. Je vais en mettre un ici. C'est bon, pourquoi pas. Puis je pourrais pas choisir la couleur, ou alors ça sera juste du noir. Je peux laisser couleur comme ça, ça rappelle. Allez. Et ensuite, un truc... Il y a ça. Ah, il y a ça, ça fait voir ça. Non. J'ai autant d'écrire, c'est mon copain, c'est normal. Il vit intensément son jeu vidéo. Plus de musique. Ça m'oppresse un peu, je... Je sens pas bien. Merci. Au milieu, en vrai, pourquoi mettre ça toujours dans un coin? J'en choisirais un qui irait bien au milieu. C'est trop grand. Sinon, ça irait bien au milieu. Ça, si je mets ça au milieu, ça couvre la lampe. Oh, j'aime bien. Juste au-dessus de lampe. Mais j'ai pas de lampe, en fait, je me rends compte. Au milieu de la salle, c'est là, genre. Ouais. C'est pas le centre en fait, si? Non, pas trop, hein. Ah si, peut-être un peu en fait. La porte, elle est au centre de la pièce, à votre avis? Non, hein. Est-ce qu'on fait au centre de nous ou au centre de la pièce?
Ah mince, il manque des petits produits. Il y a un bidet. Non, en fait, j'ai mis deux lavabos sans faire exprès, mais je les ai gardés, comme ça on a un lavabo. S'il y a besoin, voilà. C'est pratique. Accessoire de salle de bain. Faut que j'en mette deux. C'est quoi ça? Une tasse. Ah, c'est pas mal ça. Je vais mettre un truc un peu étrange. Oh, le PQ en plein milieu. Le PQ en plein milieu, j'aime beaucoup. Ah oh, oui, j'aime beaucoup, on dirait une énigme. On dirait un test. Brosse à dents, non, c'est nul. J'aime beaucoup. Le porte-rouleau à l'autre bout de la pièce. Ah, c'est vrai qu'il est pas à l'autre bout. Sur le lavabo. Nickel. On est bien là. Ah non, il manque des trucs. Oh, il manque des trucs à sortir, il manque des accessoires. Les trucs de salle de bain. Oh, c'est pas obligatoire. Pour obligatoire et pas de trucs du salle de bain. Bon, c'est pas grave. Ah oui, effectivement, je peux mettre le truc du PQ sinon ici, en plein milieu du mur. Ah, c'est pas mal aussi. Là, j'avoue que j'hésite. Vous préférez quoi, le PQ en plein milieu? Ou alors on met pas ça, on met autre chose. Le PQ est pas mal. Ou alors le porte-PQ, genre vraiment, voilà, à l'autre bout ici. Par exemple, comme ça. Les deux après. Mais ça perd de son impact s'il y en a deux. Je trouve. Donc je vais le mettre là en attendant, on va trouver. This room is missing some final touch. Add some cool lights, paintings, and standing decorations. Ouais, t'avais raison, Anté, c'est mieux quand c'est plus haut. Allez, j'avoue ça, je vais peut-être le changer. Attendez, on va voir. Attendez, on va voir si on trouve autre chose de mieux. Oh, la couleur! Non, on n'a pas. Ah, je peux en changer, je crois. Ouais. Attendez, on va voir si on peut mettre autre chose. Mais il me faut... Là, il me faut une idée. Après, je peux mettre la poubelle, là, mais je trouve ça pas fou. Ça, c'est de la crème. La crème. Bouteille. J'avoue, je vais mettre le PQ plus haut. T'as raison, mon thé. Mais là, il me faut autre chose, là. Un truc un peu énigmatique. Non, pas les serviettes, sinon ils vont se tuer avec les serviettes. C'est quoi ça? C'est de la pommade. Selon les soirées. Oh, une brosse à dents juste en plein milieu. Pas mal aussi la brosse à dents en plein milieu. Le dentifrice en plein milieu. Voilà. Et ça, je le mets ailleurs. Attendez. Je vous ai compris. Mais en dessous de la porte, on va mettre une déco, je pense. Voilà. Salut Diego, ben tout menu. Je connais ce jeu. Alors c'est Hôtel Rénovateur, il est sorti il y a peu de temps. Et il est inspiré de House Flipper. Donc tu connais peut-être House Flipper, ou alors tu connais le jeu parce que tu l'as pris il y a peu de temps. Possible aussi. Tu serais capable de s'essuyer avec la brosse à dents. Peut-être la brosse à dents, c'est plus drôle en vrai. Je vais mettre la brosse à dents. C'était bien, c'était bien. C'est ce que je me disais aussi et j'aime bien l'idée. Voilà, bien posé au milieu. Mais peut-être une... Voilà, un peu qu'on... Je peux changer la couleur?
Voilà. Non, c'est bien. Il y a moins d'accrocher des trucs à la porte. Bah, dans la déco, je pense, parce que là, on va faire des décorations. Et du coup, je pense que oui. Mais pas les meubles. Enfin, je pense, j'en sais rien. Alors, terrasse. Mais attends, la déco, elle est où? Dans terrasse? Nouvelle décoration. Elles sont où? Ah, oui! Oh, oh, une statue et tout, attendez. C'est quoi, ça? Magazine, des bouquins. Ok. C'est quoi, ça? Petite lanterne, ouais, un petit bout d'homme, oui, d'accord. Un cœur. Hmm. Ah, c'est une chouette, ça. Le torse est stylé, mais il est immense, quoi. Ok. Bon, faut que je pose deux trucs comme ça. Je pose... Faut que je pose des trucs comme ça. Oh, on va mettre un truc dans le prime, attendez. Mais faut que je trouve... Oh, ils sont trop beaux! Il me faut un truc de chat, en fait. Il me faut un truc de chat ou des bananes. Il y a un fil rouge, il y a un fil rouge. Oh, le néon, je peux le personnaliser? Ah, je peux pas. Il y en a d'autres. Ah, je pense que je vais foutre un néon aux chiottes. Oh, ça cache tout. Je pense qu'on va mettre des néons aux toilettes. Mais là, j'ai pas de tout petit cadre. Et ça, je peux pas personnaliser non plus. Mais et ça, et ça, et ça. En fait, tous les trucs... Ah si, ça, je peux le personnaliser. Et y a pas de chat. Y a un chat. Mais pas dingue, les couleurs. Pas dingue. Hein. Les néons flamands. Je vais foutre un néon, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Là, là, je suis en combat avec moi-même. C'est quoi ça? Des panneaux isolants. Pas mal. Pas mal les panales. J'aime bien moi la bouche moi plutôt. Moi j'aime bien la bouche moi. Franchement je préfère. Comme ça quand on est aux toilettes, hop, petite bouche. Allez, je mets un petit flamant rose parce qu'il y en a un qui l'a hurlé dans le chat. Hop là. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il fallait que j'en mette deux, c'est bon, c'est mis. On a quoi comme plante? Elle... Oh, c'est sympa, ça. Les plantes, ça va être... Oh, regardez, je peux en mettre à même le sol comme ça. On dirait que c'est posé à même le sol. Attendez. Si, je retrouve. Le petit plumeau qui chatouille le cucu. Ah mais dommage, je peux pas le coller assez. Mais j'aime bien l'idée, moi, du plumeau qui chatouille les fesses. Une plante devant les chattes pour...
plantes pour les... Ah ouais, non, ils vont s'essuyer avec les plantes. Non, non, le but, c'est qu'ils trouvent un moyen d'accéder au PQ. Non, non, vous avez raison. Attendez, une plante devant. Mais une toute petite. Il faut que j'en mette combien des plantes? Faut que j'en mette une. Faut bien choisir. Moi, un cactus, en fait. En vrai. Ou un cactus devant la... la... Hein, je sais pas. Je sais pas parce que... À moins que je puisse personnaliser le pot. Ah, je peux quand même le personnaliser, mais je peux pas choisir le pot. J'aime bien le plumeau, quand même. Malheureusement, je peux pas en faire grand-chose du plumeau. Parfait. J'ai appuyé ça. Écoutez, elle est bien là. Ok. Parfait. J'ai pas fait exprès. Mais comme quoi l'art part à travers moi que je ne que je le veuille ou non. Un plafonnier. Il m'en faut un. Il m'en faut un aux toilettes. Donc pour éclairer la... Voilà. Hop là, allez. Ah, c'est pas mal ça. Un peu plus bas, ouais, ok. Ouf. Oh, le truc il déchire. Un truc soit très bas, soit très encombrant. Ça c'est, un... ça, c'est bas. Ah, je peux le mettre. Oh, au niveau de ça. En vrai, c'est sympa au niveau de ça. Ah, j'aime bien en fait au niveau de ça. Niveau plafonnier, sinon. À l'entrée peut-être. Ah, j'ai pas viré ça. Attendez, faut que je vire. Je pense qu'il faut que je fasse ça. J'ai essayé de sauter. Ça a marché. Nickel. Là, on va mettre un petit plafonnier. Attendez, attendez. Je sais plus comment on fait. Ah, échappe. Et là, je fais. Là, je fais... Ça marche pas. Ah non, c'est clic droit. Oh, excusez-moi, je voulais absolument le faire avec tab. Plafonnier ici, du coup. Lequel? Je peux pas mettre... Voilà. Lequel sied à mon entrée? Celui-là, déjà, il est excellent. Je peux choisir la couleur. Je vais tellement mettre une ambiance. Mais attendez, on va peut-être pas mettre celui-là. Il est peut-être un peu simple, non? Celui-là est un peu plus adéquat, je pense. Et je vais mettre une ambiance peut-être dans les tons verts. Ou rouge. Oh, c'est trop bien! Là aussi, il faut que je mette une ambiance. Non, c'est parfait. Parfait. Voilà, ça c'est fait. Ensuite... Ah, il faut que je mette des lampes de chevet aussi. Attendez. Ah oui, d'accord, des lampes avec des petits pieds. Moins. D'accord. Ça, j'aime bien ça. Fais voir, ça c'est comment? Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Je sais. Non, trop d'éclairage. Il me faut... Quoi qu'il m'en faut deux quand même. Bien. Mais ça coupe, en fait, ça coupe la synergie de cette pièce, si j'en mets une. Non. Je vais taper une belle plante. Ouais, elle est là, la belle plante. Elle est là, elle l'a choisie. Oh oui, au niveau du i. Oh, là-dedans.
Ah, ça c'est bien. Niveau du i, ouais. Mais le truc, c'est qu'au niveau du i, il serait par terre. Là, c'est peut-être pas mal, non? Comme le logo Pixar. Ah, logo Pixar, est-ce que... Tu vois, elle est immense. Oh, pourquoi pas, après tout. J'avoue, pourquoi pas. En vrai, c'est pas mal. Évidemment, on choisit du vert. Ensuite. Encore une lampe à mettre. Oh là là, trop de lampes. Ah, je peux mettre des stickers. Oh, la poule. Bébou parti trop tôt. Oh, c'est trop stylé en vrai. Les stickers, j'aime trop. À jamais dans nos cœurs. Ah, oh, ils sont sympas, mais ils vont gâcher la synergie. Je ne veux pas gâcher la synergie de la pièce. Ils sont très mignons. On verra plus tard, Trop de choses, là. Attends, j'ai technologie. Ah oui, d'accord. Je voulais faire une salle de streaming, mais je sais pas le matos, là. Ah, cela dit, si on veut faire des petits films sympas, faut qu'on puisse avoir de quoi à portée de main, quoi. Ensuite, lampe. Il me faut plein de lampes. Pied du lit, ouais, j'ai mise là. Après, je peux la mettre plus au pied du lit, ouais. Si on est plantophile. Je vois pas vers où elle est tournée. Ok. Plante, ça c'est fait. Non. Pour filmer les fantômes, oui, tout à fait. C'est du urbex, hein. Urbex pur. Par contre, attendez, j'ai pas... J'arrive pas à récupérer mes outils. Voilà. Oh, je vais en mettre au niveau du pieu. Ah, des petits trucs stylés quand même. Voilà. Je crois qu'il en faut encore une. Ensuite, encore une lampe. Il en faut plein. Mais une lampe comme ça cette fois. Ok. Il en faut partout. Quelle couleur se verrait bien? Hop là. Tout moche lampe. Mais oui, regarde, il y en a partout. Bon, après, celles-là, elles étaient pas censées rester. Mais quand même. Et du coup, les décos. Mais en déco, il faut... d'autres choses. Alors, j'ai plein de possibilités ici. Sachant que, voilà, ça c'est la salle de bain. Il faudra un truc qui colle. Ouais, ça colle toujours, j'ai envie de dire. Mais ça c'est chelou, j'aime bien aussi.
Oh, je sais, je vais remettre un truc, mais pas centré. Oh ouais, ce sera bien ça. Quoi, pot à biscuits. Oh, c'est pas mal ça aussi, des trucs bizarres comme ça. Ah, un verre, évidemment. Un couteau. Oh, j'aime bien là. On peut s'amuser là. Non, je pense qu'une cuillère, c'est plus bizarre encore. Mettre une cuillère. Sur... Ouais, si, comme ça. Va falloir que je trouve autre chose. Va falloir que je trouve quelque chose à faire avec ça. C'est dégueulasse, arrêtez. Hein, c'est dégueulasse le chat. Rien ne vaut le papier peint, effectivement. En vrai, on troll, mais en vrai, il doit y avoir des gens qui font des hyper belles chambres. Mais oui, non, mais ce jeu, il est fait que pour ça. C'est pour ça que moi, je m'éclate un peu. Parce que au contraire, la plupart des gens font des trucs juste trop beaux. Moi, je change un peu. Attention, le ban Twitch. J'ai pas peur. Hop là. J'ai pas peur. Par contre, en vrai, faut que je trouve autre chose à mettre. Oh, j'aurais pu mettre ici. Ah non, ça marche pas. Faut que je trouve quand même autre chose en vrai. En vrai, ça suffit pas. Il nous en faut encore deux autres. Des trucs comme ça. Ah, je peux mettre des trucs là-dessus aussi. Ah. Oh, j'aime bien ça. Voilà, bien posé comme ça. Ah, j'aime beaucoup. Un réveil, peut-être. Oh, un réveil aux toilettes! Attendez, qu'est-ce qu'on peut mettre aux toilettes? Du sang bon. Ah, du sang bon, en vrai. J'aime bien ça, ça te juge un peu. J'aime bien mettre un truc qui te juge un peu. C'est peut-être qui juge, ouais, hein. Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Si votre design est prêt, vous pouvez faire la salle disponible pour les guests. Je peux choisir la couleur ? Non. Hop là ! Réserver room 101. Elle a room 101 ? Attendez, elle a room 101, quoi. Petite visite, là. Avec son intérieur chaleureux, la room 101 vous promet un accueil des plus agréables. Les couleurs assez savamment mariées et les divers accessoires ne manqueront pas de vous surprendre, mais aussi de vous éblouir. Passer une nuit dans cette dans ces conditions sera la garantie de souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos disques durs. La compagnie de nombreuses plantes verdoyantes
et d'une décoration vivante vous permettra de ne jamais vous sentir seul, même dans les moments les plus étranges. N'hésitez pas à réserver la Room 101 pour des expériences sensorielles inégalables. Magnifique. Ça fait littéralement 2 heures que je fais ça. Ça fait 2 heures. J'achète, merci. Comment je réserve en vrai ? Space. Non, oui, réservé, oui, c'est ça. Oh, mais trop beau, regardez ça ! Magnifique. Ah bah ça, eh, franchement, bro, c'est pour toi, gars. C'est pour toi. C'est pour toi. Premiers clients viennent d'enregistrer, ils ont l'air contents. Et c'est grâce à toi. Merci beaucoup, c'est ta statue qu'on va arrêter à la VOD, des bisous VOD. C'était Hôtel Rénovateur et c'est très marrant, j'aime beaucoup. Ciao.